Avant de lire la Bible, nous prions. Père, accorde-nous ton esprit afin qu'à travers les mots écrits par l'homme, nous entendions ta parole. Accorde-nous ton esprit afin qu'à travers nos distractions et nos préoccupations, malgré nos certitudes et malgré nos refus, nous recevions ta parole. Accorde-nous ton esprit, afin que chaque jour de notre vie, ta parole nous fasse vivre et que nous vivions ta parole. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7, laissez-moi, je vous prie, chantez pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cerclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils espéraient l'équité, et voici le crime. La justice, et voici les cris des victimes. Et puis, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 33. Une autre parabole. Entendez, il était un homme, un maître de maison. Il plante une vigne, l'entoure d'une clôture. Il y fort un pressoir et bâtit une tour. Il la loue à des vignerons et part au loin. Quand est proche le temps des fruits, il envoie ses serviteurs aux vignerons pour prendre ses fruits. Les vignerons prennent les serviteurs, l'un ils le battent, l'autre ils le tuent, l'autre ils le lapident. De nouveau, il envoie d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils leur font de même. Après, il envoie vers eux son fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, en voyant le fils, disent en eux-mêmes « Celui-ci, c'est l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils le prennent, le jettent hors de la vigne et le tuent. Eh bien, quand viendra le Seigneur de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Si vous aimez Scarface, Les Affranchis, L'Honneur des Prizzi, si vous suivez les aventures de Vito Corleone ou de Tony Soprano, bref, si vous aimez les films ou les séries de gangsters, de mafieux, cette parabole est faite pour vous. Ce matin, nous ne parlerons pas de petits moutons, de petits oiseaux ou de petites fleurs. Ce matin, la parabole nous entraîne dans le sordide, dans la violence, dans l'appât du gain, dans un monde sans foi ni loi. Jésus nous raconte une histoire de bandits et d'assassins. À tel point que quand nous avons travaillé ce texte dans le groupe des amitiés bibliques, certains se sont demandé si finalement le propriétaire de la vigne ne voulait pas se débarrasser de son fils,
pour l'envoyer comme ça à des assassins qui, à deux reprises, avaient massacré ses serviteurs. Et c'est vrai que l'attitude de ce seigneur de la vigne est étrange. Ses serviteurs se font massacrer, il n'envoie pas une troupe en armes, mais juste des serviteurs plus nombreux. Peut-être espérait-il que le nombre serait dissuasif. Ben, c'est raté. Et que fait-il quand les serviteurs plus nombreux se font encore massacrer? Il envoie son fils, seul. Alors, pas besoin d'être conspirationniste pour se poser deux ou trois questions sur son attitude. Et d'ailleurs, Jésus interroge son auditoire. Il nous interroge. Quelle sera la fin du film? Quand le maître viendra, que fera-t-il? Alors, s'il n'y avait pas le protocole sanitaire, les masques, je passerai le micro dans l'assemblée. Quand le maître viendra, que fera-t-il? Ça tombe bien, justement, je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Tiens, et moi, qu'est-ce que je dirais si le pasteur me demandait comme ça? Quand le maître viendra, que fera-t-il? Alors, voici la suite du texte. Ils, c'est-à-dire ceux qui entendent Jésus, ils lui disent « C'est méchant, méchamment, il les perdra. La vigne, il la louera à d'autres vignerons qui lui rendront les fruits en leur temps. » Bref, pour l'auditoire de Jésus, et je pense pour beaucoup parmi nous, la réponse est évidente. Quand le maître viendra, quand le seigneur de la vigne viendra, ça va barder pour le matricule de ses assassins. Et nous continuons notre lecture. Jésus leur dit « Vous n'avez jamais lu dans les écrits la pierre rejetée par les bâtisseurs, celle-là est devenue tête d'angle. Du Seigneur cela vient, c'est merveille à nos yeux. Aussi je vous dis, à vous sera enlevé le royaume de Dieu, et il sera donné à une nation qui en fera les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Quand les grands prêtres et les pharisiens entendent ces paraboles, ils connaissent qu'ils parlent d'eux-mêmes. Je pense, frères et sœurs, que nous sommes au moins aussi réceptifs que les grands prêtres et les pharisiens aux paraboles. Et que, comme eux, nous entendons, nous connaissons qu'elles parlent de nous. Alors, conseillers presbytéraux, paroissiens de Versailles, visiteurs, sommes-nous des vignerons assassins? En fait, plutôt que de demander où est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes les vignerons, est-ce que nous sommes les serviteurs, je crois qu'il vaut mieux s'interroger sur les grands thèmes dont ce récit nous parle. Pour ce matin, j'en ai distingué deux, la violence et l'absence. Je vais partir du principe, pour parler de la violence, que nous ne frappons pas, ne lapidons pas les gens, que nous ne les tuons pas, et qu'en tout cas, si nous le faisons, nous savons déjà que nous ne sommes pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais dans cette histoire, se manifestent d'autres formes de violence. Le propriétaire de la vigne envoie son fils. Les vignerons ne voient que l'héritier. Et c'est là la source de la violence, je crois. Dans l'humain, il ne voit plus que la source d'un profit. Les faits divers continuent à nous montrer que la parabole s'inscrit bien dans le réel, que cette tendance à ne voir dans l'humain qu'une source de profit continue. Mais puisque nous ne sommes pas tellement concernés par le brigandage, par le banditisme, je voudrais que nous nous demandions si cette vision de l'humain comme source de profit n'existe pas aussi dans notre quotidien. Par exemple, dans le monde du travail. Je m'interroge parfois sur ce que dit ce terme officiel de « ressources humaines ». Est-ce que finalement, personnel, ça disait pas plus l'humain? Et puis,
Je vais parler surtout de ce que je connais moi avant de me faire alpaguer par tous les gens qui sont en entreprise en me disant « Ouais, attention, c'est pas tout à fait ça. » Dans l'Église, sommes-nous tout à fait à l'abri de cette tentation? Nous nous réjouissons de voir nos assemblées nombreuses. Et c'est tout à fait légitime. En tout cas, c'est tout à fait humain. Nous aimons être en nombre. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais nous aimons cela. Nous nous plaignons quand il n'y avait pas assez de monde. Et à chaque groupe, c'est « Ah ben tiens, combien il y avait de personnes ?» Mais rappelons-nous quand même que Jésus parlait plus facilement de ses brebis que de son troupeau. Rappelons-nous que chaque visage, chaque nom, chaque histoire est bien plus importante que le nombre que nous sommes. Rappelons-nous qu'en Église, nous devrions toujours privilégier la qualité, pas au sens « il faut que les gens aient plein de qualités », c'est pas du tout ça, mais la qualité au sens de ce qui qualifie, au sens de ce qui fait une personne. Nous devrions toujours privilégier la qualité à la quantité. Or, et ça les conseillers presbytéraux le savent bien, dans une assemblée nombreuse, là, c'est d'autant plus difficile de donner son importance, sa place à chacun, de reconnaître chaque visage, chaque nom. Oui, plus on est nombreux, et moins on se connaît. Et plus c'est facile d'oublier un tel ou un tel, plus c'est facile de nous réduire à « ah ben on était tant ». Voilà, l'être humain réduit au rang de nombre, de statistiques, de ressources, de sources de profit. Le récit nous dit aussi que les vignerons s'emparent du fils et le jettent hors de la vigne. Vu qu'ils vont le tuer juste après, cela pourrait sembler un moindre mal. Mais c'est en fait une violence particulière puisqu'elle est réservée au propriétaire légitime de la vigne et que c'est un premier pas vers la mise à mort. Pensez à Caïn et Abel qui sortent dans les champs. Eh bien, je crois que nous devrions nous demander qui nous excluons, qui nous chassons de cette vigne qui nous a été confiée. Cette vigne que je crois être la bonne nouvelle, l'annonce du royaume de Dieu. Qui chassons-nous, que ce soit par nos paroles, par nos actes, par nos omissions, que ce soit volontairement ou non? Et nous devrions même nous demander si celles et ceux que nous excluons ne sont pas les propriétaires légitimes. Après tout, Jésus l'affirmait, les collecteurs d'impôts et les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu. Enfin, il y a une dernière manifestation de la violence, et c'est dans la réponse de l'auditoire à la question de Jésus. C'est méchant, méchamment, il les perdra. Or, j'insiste, ce n'est pas la réponse de Jésus. Cette réponse ne fait pas partie de la parabole que raconte Jésus. C'est la réponse de ceux qui l'entendent, et je crois que c'est très souvent la nôtre. Il nous paraît logique que la violence vienne répondre à la violence, et que finalement, le Seigneur se montre encore plus méchant que les vignerons. Bref, que ces vignerons réussissent à faire entrer le maître de la vigne dans leur logique, dans leur foi, dans leur loi, pardon, dans leur cycle de violence. Et nous, est-ce que nous témoignons d'un Dieu punisseur, vengeur, un Dieu effrayant qui vient occuper la plus haute place dans la pyramide du rapport de force, qui vient pour punir les méchants, qui vient pour détruire ceux qui s'opposent à lui? Ou bien témoignons-nous du Dieu de Jésus-Christ qui fait de la pierre rejetée par les bâtisseurs la pierre angulaire? Avec un brin d'anachronisme, j'ai toujours envie de traduire la clé de voûte, parce que ça nous parle plus, la pierre la plus importante. Un Dieu qui préfère relever la victime plutôt que punir les assassins. Et c'est vrai qu'en voyant l'actualité, en pensant au Liban, à l'Arménie, je me dis qu'il est grand temps que celles et ceux qui tombent, qui sont rejetés, soient relevés.
Et nous arrivons à la deuxième thématique de la parabole, celle de l'absence. Oui, le maître s'est éloigné de la vigne. Il est parti. Et à propos d'absence, je vais vous parler du conseil presbytéral. Non, pas de ceux qui sont absents au conseil presbytéral, d'ailleurs il y en a peu, mais plutôt voilà, de ce qui s'est vécu ces derniers mois. Je vais vous parler du conseil presbytéral et pas seulement. Pendant le confinement, et surtout pendant le déconfinement, le conseil presbytéral s'est retrouvé un peu tiraillé entre deux tendances. Certains expriment leur hâte d'un retour à la normale et souhaitent que le plus possible on maintienne nos habitudes. Et d'autres essayent d'inventer de manière nouvelle d'être au milieu de ces contraintes. Il y a attention, il y a discussion, toujours fraternelle, jamais violente, même pas verbalement, mais il y a tension entre ces deux tendances, et je crois que ça va au-delà du conseil presbytéral, mais dans ces deux tendances, dans ces discussions, parfois dans ces affrontements d'idées, de convictions, je vois une volonté commune, ou plutôt un refus commun, le refus de l'absence. Celles et ceux qui disent « il faut revenir à la normale » refusent l'absence. Et ceux qui se disent « il faut trouver de nouvelles manières d'être présent » refusent l'absence. Eh bien, ce refus de l'absence nous inscrit dans la ligne du Seigneur de la vigne. Jésus ne nous dit pas pourquoi ce propriétaire s'est éloigné de la vigne dont il avait pris tellement soin. Là, nous ne pouvons que nous interroger. Pourquoi est-il parti ? Oui, nous pouvons nous poser des questions sur cet éloignement, sur cette absence, mais nous devons aussi entendre que la parabole nous dit que s'il est absent, le maître multiplie les contacts, il multiplie les envois. Le but du premier contact est assez logique, il s'agit de recevoir sa part, ses fruits de la vigne. Mais pour les autres envois, la parabole ne nous dit rien. Alors on peut penser que c'est assez logique que le deuxième envoi, c'est pour les mêmes raisons. Oui, la logique humaine nous conduit à penser que le but est le même, qu'il s'agit de récolter ses fruits. Mais comme on l'a vu, avec notre réponse à « que fera le maître quand il reviendra ?», on devrait se méfier un petit peu de notre logique humaine. Surtout que l'envoi du Fils est accompagné d'une réflexion du maître. « Ils respecteront mon Fils. » Comme si le but n'était plus du tout la récolte, mais que le but était la relation humaine. Comme si le but du propriétaire, c'était de restaurer la juste relation avec ses vignerons. Eh bien, pendant ce temps étrange, ce temps troublé, ce temps pour tout dire fatigant, les conseillers presbytéraux, les anciens mais aussi les nouveaux, qui ont été très largement associés à toutes nos réflexions, se sont vécus comme ses serviteurs, envoyé par le maître, pour maintenir, restaurer, réinventer, rétablir la relation. Je ne sais pas si alors nous avons pensé à la parabole, mais nous nous sommes sentis envoyés, sans savoir si nous reviendrions chargés de fruits, sans savoir même si nous serions bien reçus. Alors, c'est sans doute une petite chose par rapport aux catastrophes, aux drames que j'ai évoqués, mais nous le savons. Jésus nous l'a dit, quand nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en est confié de grandes. C'est pourquoi, même dans ces temps compliqués, troublés, troublants, j'affirme que nous pouvons être reconnaissants, car l'esprit de relation et de service a soufflé sur notre Église. Il a soufflé sur le conseil presbytéral, il a soufflé sur bien d'autres. Nous avons refusé l'absence, nous avons voulu continuer à être présents d'une manière ou d'une autre, les uns aux autres. Mais quand même, je vous l'ai dit, c'est une parabole de gangster. Et une bonne histoire de gangster, un bon film de gangster, ça se termine dans une explosion de violence. Et visiblement, Jésus le savait. On va ressortir de là, on va dire, le pasteur a dit que Jésus regardait Scarface.
Jésus savait, quand même, quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Qui est-ce que cette pierre brise? Qui est-ce qu'elle écrase? Eh bien, en entendant cette parabole, tous nous sommes stupéfaits par l'attitude de ce propriétaire qui multiplie les envois vers les meurtriers, allant jusqu'à envoyer son fils. Mais en fait, nous sommes ou nous devrions être stupéfaits en lisant la Bible par ce Dieu dont le peuple se détourne sans cesse mais qui sans cesse revient vers eux. Nous devrions être stupéfaits par ce Dieu qui nous rejoint dans notre humanité et qui se laisse conduire à la croix pour mourir dans une parole de pardon. Nous devrions être stupéfaits par ce Dieu qui toujours souffle son esprit sur son Église, qui s'avère être si souvent fragile, si souvent traître à sa parole. Nous devrions être stupéfaits par ce Père qui toujours nous pardonne, qui toujours nous aime, qui toujours nous relève et nous conduit. Oui, frères et sœurs, l'amour de Dieu manifesté sur la croix vient écraser nos esprits de violence et de défiance. Et nos cœurs désespérés viennent se briser sur sa grâce. Et je vais remercier un de mes collègues, Antoine Nuis, qui nous invitait à lire cette parabole à la lumière du psaume 34, qui nous dit « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. » Amen.